Salut tout le monde, voici mon petit vidéo pour vous montrer comment réaliser l'intarsia qui, dans ma tête, est très, très, très simple. Il s'agit de savoir comment faire. Donc, c'est le chandail Moon Crush que je suis en train de faire avec la lana de Fibre Carpe Diem. Alors, vous prenez, là, vous voyez, je vais me rendre au changement de couleur. Donc là, je vais y aller quand même assez rapidement. Je tricote ma dernière maille. Avant de changer mes fils, je viens insérer mon aiguille dans ma maille suivante avec la deuxième couleur. Je vais toujours mettre mon fil que je viens de tricoter par-dessus mon fil. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon fil, je l'amène ici que je vais tenir avec mon doigt. Puis là, j'ai mon fil gris qui est en dessous. Fait que moi, je vais le passer par-dessus. Fait que de cette façon-là, on vient emprisonner nos fils. Fait que là, moi, je les tiens ici pour pas que ça vienne s'étirer. Je m'en viens ici aussi. Donc, voilà. Puis je vous montre qu'est-ce que ça fait à l'arrière. C'est quand même très, très propre. Là, je vais juste tricoter quelques mailles, puis je vais revenir du côté arrière pour vous montrer comment on procède. C'est la même chose. Bon, là, inquiétez-vous pas, là, Donc, je vais comme ça. Donc, je me rends à mon changement de couleur. Même chose, je viens rentrer ici mon aiguille. Je trouve que ça donne plus de corps. C'est moins mollasson là, quand on vient le faire comme ça. Je viens de finir avec mon gris. Je le passe par-dessus mon rose et je prends mon rose pour bloquer les fils. Encore là, ici, je vais venir tirer sur mes deux fils là, pour m'assurer de la tension au moment de la jonction des deux couleurs. Voilà. Ça, c'est votre rando. C'est la même chose au niveau des côtes. J'aimais mieux vous montrer au niveau du jersey parce que c'était plus clair. Là. Fait que voilà. C'est aussi simple que ça. Merci!